Hey, salut tout le monde, c'est Spectrolo, comment ça va? Je suis vraiment très content de continuer ce Let's Play de The Legend of Zelda A Link to the Past. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'épisode 2? On a récupéré des petits fragments de cœur un peu disséminés un peu partout dans Hyrule et on a fait le palais du désert. Et on a récupéré les gants de force, ce qui va nous aider très prochainement dans cet épisode. Ah, je suis vraiment content. Petit aparté. On a réussi à avoir 100 abonnés. C'est vraiment un truc de maladitude, de ouf. Je sais même plus ce que je dis. C'est vraiment un truc de psychopathe, tu vois. Je suis vraiment très content. Donc un grand remerciement. Dédicace à RomStation, le site RomStation. Sans quoi je n'aurais pas pu faire ce let's play de The Legend of Zelda A Link to the Past. Et le prochain let's play, le Pokémon version Saphir mode Newsbook Challenge. Le let's play qui arrivera dans 2 jours sur ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Me demandez pas. J'ai fait un fail. C'est pas ce que j'ai fait, mais c'était pas beau à voir. J'ai recommencé une partie. En fait. Allez, c'est parti. Et on attend même plus la cinématique. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va récupérer quelques fragments de cœur. Je ne sais pas trop où il y en a, mais il y a quelques abonnés qui m'ont envoyé un message privé sur YouTube. Où je pourrais les trouver, donc un remerciement à eux. Et oui, donc ce que je disais, dédicace à la RomStation, sans quoi je n'aurais pas pu faire ce let's play de Legend of Zelda Link to the Past, le Pokémon version Saphir en mode Newsbook Challenge et aussi les autres jeux. Mais de toute façon, j'ai les jeux en version réelle, donc j'ai les droits sur de jouer à ce jeu. Je sais pas si vous avez tout compris, mais en gros j'ai les jeux, donc voilà. Ok, une entrée secrète, super. C'est quoi? Salut toi. Regardons la grotte à l'est du lac où il y a d'étranges et merveilleuses choses y vivent. Ok, d'accord. Oh super, des rubis. Alors les rubis, c'est super parce que ça va m'aider très prochainement, je vais pas vous spoiler. Ça va bien nous aider, vous voyez. Vous allez voir. On peut pas se déplacer, ça je me rappelle plus. Voilà, là y'a rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va récupérer des fragments de cœur. Si j'ai réussi à les trouver, je crois pas que j'ai réussi à les trouver du premier coup. Comme toi. Réussir à les trouver et on va aller au palais des rats. C'est le dernier temple, le tout dernier temple dans le monde de la lumière. Mais non, ne vous inquiétez pas, le jeu n'est pas terminé, voyez. Non, je vais pas vous spoiler aussi, mais on va récupérer l'épée Excalibur quand on a fini les 3 temps et on va aller buter à Ganym, tu vois. Où je vais... ouais, c'est... Ok, là, il y a quoi? Oh! Une entrée secrète! Oh, bah des fées... Attends, je vais peut-être en capturer. Moi je voulais retourner à ma maison parce que c'est pareil, il y a un truc assez spécial. Je sais plus c'est où, mais c'est bientôt, vous inquiétez pas. Mais j'ai du mal à me repérer. Alors bon, c'est. Allez où ma maison déjà? Je suis paumé déjà. Ah oui, c'est là-haut. C'est vrai que c'est très grand Hyrule. Surtout dans la deuxième partie où je vais vraiment galérer parce que j'ai plutôt fait la première partie, on dirait-je. Mais j'ai pas terminé le jeu. J'ai pas réussi à buter Usabiki. Eh non, c'est pas là. C'est dans le cimetière où je sais plus où c'est. Normalement, il y a une espèce de cimetière. Je vais essayer de le trouver, les cimetières. Rappelez-vous dans l'épisode 2 où j'ai dit ah, il y a peut-être un secret ici, mais en fait oui, il y en a un, mais
fait, j'ai pas trop. Parce que j'avais pas les gants de force en fait. J'ai jamais le trouvé en fait. Je suis toujours paumé. Je ne sais pas. Dégagez. Passez votre chemin. Oh, une fée! Salut la vieille. Ok, il y a quoi là? Je sais pas, il y a quoi là? Ok, il y a l'entrée d'abord. Ok, il y a quoi là? Je sais pas, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok, là il y a quoi? Ah, attends, c'est quoi ça? Oh, je l'ai vu. Je suis complètement paumé, excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Où je vais, sérieux? Vas-y, on va aller par là. Eh, dégage! Ok. Ah, je sais où je vais maintenant. Je sais où je vais. Et je vais récupérer cet outil spécial. Cet objet spécial qui va m'aider très prochainement. Enfin, si on peut y accéder. Je vais par là. Non, c'est pas là, je me suis paumé, c'est super. C'est pas ici, ça doit être là-haut. Une chance sur deux, je crois. Oh, un fragment de cœur, on y accède comment? Je ne sais pas, j'espère le récupérer quand même. Hop, dégage. Qu'est-ce que tu fais? Bordel. Oh, une bombe, super. J'en fous. Alors, c'est où? Oh là, c'est un labyrinthe ou quoi? A tous les coups, je me promène. Ah, c'est peut-être là. Non, c'est pas là. Purée! Et oui, je n'ai pas de décor. Oui, on s'en fout de... Voilà. Non! Voilà! Oh, qu'est-ce que tu veux, petit? T'as quelque chose à me dire? Je veux les palmes. Oh putain, le mec, il nous spoil déjà. Il ne faisait que passer. Non, je veux les palmes. Mais je ne te donne pas les palmes, gratis, je les veux pour... Ça sort au bif. La paix, que décides-tu? Je paye. La paire de palmes vit. Et en prime, je te laisserai utiliser les canaux magiques qui relient les lacs et les rivières. Quand tu verras un tourbillon, on gît et donc, qui sait où tu réapparaîtras. Ok, on a les palmes, c'est magnifique. Tu as acheté les palmes de Zora, elles vont te permettre de nager même en eau profonde. Et voilà, nous avons les palmes, on peut nager comme des oufs. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de récupérer le fragment de cœur, parce que franchement, je veux. Comment on fait pour y accéder? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va essayer de l'avoir. Ça me ferait chier de ne pas l'avoir quand même. Oh là, il y a eu un bug. Non, c'est pas là. Vas-y, dégage, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je vais essayer de suivre... Pourquoi je lance toutes mes flèches? T'as rien. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est juste la croix. Je veux bien voir le secret du fragment de cœur, je le trouve là-bas. Oh! J'ai trouvé! Super! J'ai trouvé un fragment de cœur! Ouais! Ok, on a les palmes, en plus on est des ouf, tu te rends compte? Et ouais, c'est parti. Je vais enlever les flèches parce que je crois que j'enlève toutes les flèches que j'ai. Je vais prendre le fil à papier, je suis sûr. Il n'y a pas un petit secret encore.
je me suis perdu, mais au moins j'ai eu un outil spécial qui va nous aider. Bon bref. La vache, c'est vrai. Ouais, ouais, me tue pas, je t'avais pas demandé de me tuer. Ok, on va suivre ce petit plan maintenant. Ok, y'a quoi? Oh! On peut rentrer dans la cascade! Mes amis, on peut rentrer dans une cascade avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on va foutre dans l'eau? Je sais pas. Mystérieux étant 9h, tu as rien y lancé. Que décides-tu? Je lance un objet. Je sais pas. Proposer quoi? Allez, je vais lancer le bouclier. Et voilà, j'ai plus de bouclier, je suis trop content. Oh, j'ai fou. Et toi, as-tu jeté cet objet? Oui. J'aime les gens honnêtes. Je vais te donner quelque chose de mieux en échange. T'es sérieux? Tu vas me donner quoi? Oh, quoi, c'est quoi ce truc? Ton bouclier s'est amélioré. Tu peux désormais te protéger des boules de feu. Wouah, trop stylé! Ah, vas-y, je vais lancer un autre objet. Oh, je suis content là. Ah ouais, on est paré au troisième temple. Je sais pas, je vais lancer le boomerang. Genre, on va me dire, hey, tiens, je te donne un super boomerang de la mort qui tue tous tes adversaires dans la bouche. Oui, j'ai jeté ça. J'aime les gens honnêtes. Oh, c'est quoi? Un boomerang magique, tu peux lancer plus vite et plus loin que le vieux. Oh, trop cool. Oh, mais mes amis. Oh là là. Vas-y, on va lancer l'arc aussi. On va tout lancer. Non, l'arc, je sais pas. Peut-être. Va dire, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est la troisième fois que tu me lances un objet. Vas-y, je te le repasse. Oui, je t'ai jeté ça. Ah, elle veut pas me... Non, elle veut pas me l'améliorer. C'est déjà pas mal. Peut-être l'épée, hein. On est des fous. Pas de pique, ça. Genre une épée avec des rayons laser. Oui, c'est moi. Non. Bon, bah, c'est pas grave. On est paré pour ce temple magnifique qui va être. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, j'ai mis un écran bleu, j'ai flippé. Bah ok, super. C'est bien parce qu'on va naviguer dans les rues, c'est super. Ok, là y'a quoi? Oh, y'a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Où on est? Alors là, je ne sais pas, on est paumé, super. Magnifique. Non. Je sais pas du tout. Là y'a rien. Ok, y'a une grotte, on va y aller. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Oh, vas-y, on est devant. On est malade. Non, c'est pas là. Ok, des fées, ce que j'ai des flammes. Oh, bon. C'est pas grave. Bon, au moins, je suis fou de cœur. Oh, y'a un coffre. Attends. Attends, c'est quoi tout en bas là? Il y a une espèce de fille. Et moi, il me faut ce coffre. Attends, ça se trouve, c'est un fragment de cœur ou un truc comme ça. Je sais pas, la cave elle est toute gelée, c'est trop arbre. Non, c'est pas là. Ah mince! Dégage, crabe de merde! Voilà. Ok, je sais pas c'est quoi, mais... Y'a quoi dedans? Oh, c'est quoi? Tu as trouvé la baguette de glace, c'est bourrasque magique glace l'air. Mais surveille ton compteur magique. Ah bah c'est super, aujourd'hui dans cet épisode on a un bouclier, de la mort qui tue, un boomerang qui va plus loin, une flèche de glace et un fragment de cœur, c'est magnifique ça. Bon, mais moi je suis allé dans le palais des rats quand même. Voilà. Oh, trop bien. Super le bouclier. Attends,
encore perdu. Ça. Oh mais encore une grotte, bah vas-y on va dedans. Je sais pas ce qu'il y a mais... Le temps du bonheur, j'ai dit quelques rubis, tes souhaits seraient... Ouais. Allez. Hein? Vas-y, je donne tous mes rubis ou quoi? Attends, 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 c'est quoi ces... C'est quoi cette arnaque là? Vas-y, je vais jeter tous mes rubis pour voir ce qui se passe. Ça se trouve, il y a une fée qui va apparaître qui va me dire ah, je te donne un objet qui. Un truc de ouf. Peut-être si j'ai. Enfin, on s'en fout de la très grande chance. Moi, je veux une fée là, tu vois, une fée. J'ai une fée. On s'en fout de la grande chance, sérieux. Il n'y a pas un... J'ai tout utilisé mes rubis, on s'en fout, de toute façon ça se gagne facilement. Enfin, je crois. Ouais, vas-y. Oh! Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vais exaucer ton vœu. Tu veux porter plus de bombes ou plus de flèches? Eh bah dis donc. Ouh, 35. Bah merci mademoiselle la fée. C'est super ça. Vas-y, je vais encore jeter des rubis parce que il me faut plus de bons. Oh, 50 rubis, c'est beaucoup là. Bon, je retournerai quand j'aurai plus de rubis pour avoir des bons. Alors où j'ai poussé? Ok, c'est tout au milieu. Ok, y a pas de souci. Je vais retourner là-bas et ça va être magnifique. Non, je suis resté pour rien. Non! Dans mon cœur, on peut même pas l'avoir. C'est bien trop. Ah, je croyais que c'était un truc de fée. Bah, je sais plus, il est le. Espèce de cimetière là, je voulais aller dans le cimetière. Pas pour déterrer des tombes, mais. Pour déterrer des tombes quand même. Je voulais y accéder. On va voir un petit secret qu'on m'a dit. Un abonné qui m'a dit tu peux avoir un objet spécial là-bas. Je sais pas c'est quoi. Ça pourrait m'être utile. Je crois. D'accord, en fait, il faut me faire exploser. Il a fait quoi là? Ah, le mec il disparaît carrément. Bah ouais, si tu veux. C'est quoi? Bah si, hein. Parce que là, ce qui paraît, il y a dans des arbres cachés, tu peux trouver des grottes et. Bon bah y'a rien du tout. Attends mais là pourquoi je suis pas allé. Pourquoi je suis allé par là? T'as rien. Vas-y casse-toi là. Pas que ça à faire. Non, c'est pas là, je suis sûr que c'est pas là. Ah, j'aime bien, ils sont cachés. Attends, je dois aller vous voir. Ah, ça m'énerve d'être paumé. Est-ce que c'est là-haut? Non, je vais me paumer encore. J'ai marre de me paumer comme ça. Là. Ah, le cimetière.
Ouais, je suis un ouf, moi je rentre dans le cimetière. Ah, on peut même pas y accéder. Il faudra un objet spécial en haut pour y accéder. Je... Ah, c'est dommage, je voulais y accéder. Tant pis. Le vote, est-ce que j'y étais? Bah aujourd'hui c'est une grande surprise, je trouve plein de frags de mon cœur, bah. Enfin plein, tu me comprends. Salut. Putain c'était pour ça. Tu sers à rien. D'accord, bah ça sera. Bon bah, tant pis. Ah si, je crois que c'est là. C'est le mec qui a fond dedans. Ouais, je fais ça. Et ouais, c'est là. Oh là là. Hein? Putain, je me retrouve dans le... Dans le palais d'Hyrule. Oh, et puis j'ai plus de bombes, c'est magnifique. Moi je veux des bombes s'il vous plaît. Ah s'il vous plaît, elle me faisait trop de bombes. Me demandez pas pourquoi j'étais là. Même moi je sais. Même moi il me faut des bombes sérieux. Des bombes. Pas des rubis, des bombes. Oh là. Bon tant pis, on va aller dans le palais des rages. Je sais pas. Ok donc bah, je retournerai, je sais plus si je... Ouais, je retournerai si je l'ai déjà pas fait, je m'en rappelle même. Vraiment un fou. Ok là y'a rien, je vais aller dans le palais parce que... Mais avant ça, avant d'aller dans le palais, je veux voir qu'est-ce qu'il y a. Ok, bah il y a une entrée, super. Ouh, c'est quoi? Des rubis. Ouh, un fragment de cœur. Et bah Young, je suis vraiment un chanceux de ouf. Il y a rien. Il me disait deux entrées secrètes. Non, c'est louche. Je vais aller dans la forêt, on m'a dit qu'il y avait un fragment de cœur. Et j'aimerais bien avoir un fragment de cœur quand même. Même si j'en ai pas mal. Je sais pas où c'est. Salut. Ah non, je sais, lui il va me voler des trucs. Connard. Et casse-toi. Voilà. J'étais là. Il y a un fragment de cœur que je veux. Ça c'est sûr. Salut toi. Et petit, c'est notre plan qu'à nous, les bandits. Ils n'entrent pas sans permission. Là, de nos complices est à l'entrée du désert. Moi je l'ai vu, il m'a donné un fragment de cœur. Toi tu ferais. Excusez-moi. Tu en feras de même. S'il te plaît. Ok. Et vas-y, c'est parti. On a 8 cœurs, mes amis. 8 cœurs. On est paré au combat. Je vais regarder à combien de minutes on est la vidéo. Quoi? 24 minutes? Oh putain, faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche de faire le temple. Ou je ferai la moitié du temple. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez les abonnés? Ah oui, vous voulez tout à chaque fois. Faut que je tourne le Let's Play de Newsbook Challenge Pokémon version Saphir. Et faut que je tourne l'épisode 6 de Pokémon Gem, mes amis. Et faut que je tourne encore un épisode, une vidéo spéciale sans abonnés aussi. J'ai pas mal de taf, il faut que j'aille à la pause. Ouais, donc...
on s'en fout. Je suis pas là pour deviner. Par où je dois aller pour aller au temple? Ok, encore une entrée. Un fragment de cœur, il me le faut. J'aime pas les fragments de cœur qui me trollent. Ouais, tu le veux. Mais tu l'auras pas. Ça m'énerve. Je veux ce fragment de cœur. Je le veux. Ah, t'as un bonheur. Est-ce que j'étais là où ça? Ok, on est encore dans une mission. Mais qu'est-ce que toi, Attends, mais moi je vais aller au temple, bordel. Ça suffit. Casse-toi. Ah, c'est là, oui, c'est là. Casse-toi, bordel. Tant pis pour lui. Oh, ah, peut-être il faut l'inventer. Je sais pas. Ok, il me dit pas que ça l'a bien, sinon je vais galérer. Est-ce que je dois rentrer dedans? Je crois pas, mais on essaye. Au moins on est fixé. Ah ouais, il nous ramène tout le temps. Tout au début. Bon, on va aller là-bas. Oh, j'aime pas ces labyrinthes, sérieux. On peut pas. Ah bah ça va. On doit aller juste par là. Salut toi. Hey, je te connais pas, mais si tu vas dans la montagne, emmène-moi avec toi. Parce que je suis perdu, tu vois, et puis je suis un peu con. J'ai perdu ma lampe. Vas-y, je vais t'aider. Attention au trou, va tout droit et regarde bien où tu mets les pieds. Jeune homme, vas-tu aussi dans la montagne à la recherche du pouvoir d'or? Oui. Un peu plus loin, il y a une montagne pleine de monstres. Beaucoup de gens ont disparu. Dans cette montagne, alors qu'ils recherchaient le pouvoir d'or, je ne veux pas te démoraliser, mais faut être dingo pour se laisser entraîner dans une quête aussi folle. Ouais, mais moi je suis un ouf. C'est ça que t'as pas compris. Moi je suis libre. Ok, là y'a rien. Oh, j'aime pas ces labyrinthes. Il doit avoir un cœur dans le pot. Ah ouais. Putain, il est déjà allé dans la grotte ou quoi? Ok, voilà, bah ça ne sert à rien. J'ai pas vu qu'une petite ellipse. Re tout le monde. On va voir si ça marche. Oui, ça marche. Là on a été. Hé, Tournadois, tu sais. Tu sais, j'ai une petite fille de ton âge. Le roi m'a emmené au château et elle n'est jamais revenue. Enlever des jeunes filles doit faire partie du dessein du sorcier. Je pense qu'il essaie d'utiliser les pouvoirs que possèdent les jeunes filles descendantes des sept sages. Oups. Ah, je voulais trop le faire tomber. Hop là. Non, pas. Ok, on est sorti de la grotte. Oups, il fait mal ça. Ouh, il fait mal ça. Ouh là là. Je suis mort. Oh non. Eh mais non, j'ai la fée, heureusement. Rentrer dans sa maison. Les jeunes filles disparues sont encore en vie, le héros le sauvera sûrement. Il me tarde de voir ce jour arriver, mais j'ai trop
parler. Allez, merci de ta bonté envers le vieilleur que je suis. Prends ceci si tu le veux. Dans un téléporteur magique, jette un œil dans ce miroir. J'ai donné un miroir magique, c'est un beau miroir bleu et transparent. On a l'impression qu'il va nous absorber dans un autre monde. Ouais. On va essayer ça. C'est pas mal l'objet maintenant. Ok, ça me sert à rien. Oh d'un coup. Si c'est pas formidable ça. Me demandez pas ce qu'il faut faire. Même moi je ne sais pas. Voilà. Non pas encore un virus. Je n'aime pas les labyrinthes. Il est tout en haut en fait. Comment on fait pour aller tout en haut? Faut monter la bonne blague. Voilà, il y a l'échelle, il y a plus de boîte encore. Là, il y a rien. Là, il y a rien. Je trouve que j'aurais un peu fait un cœur, bordel. Encore une grotte. Non, mais moi je veux des cœurs. Voilà. Ok, je dois faire quoi en fait? Je dois tomber dans les trous. Ah, encore une grotte. Où je suis? Oh non, me dis pas, c'est ça. Si je vais par là. De toute façon, je ferai une ellipse si ça marche. Allez, connard. C'est quoi ce truc? On dirait un truc dans Mario. Un Wiggler. C'est un Wiggler ça. C'est chiant. Mais viens. Oh, il est.
vais pas faire. Je vais juste te tuer. Ok, Oh non, mais vous êtes sérieux. C'est quoi ces passages secrets de merde? C'est raccourci. Oh non, j'ai encore mouru, vous êtes sérieux. Non, j'ai des films. Pourquoi tu es mourant? Ah, c'est bien ce que je disais, il y a une droite. Oh non! C'est sérieux? Non, je vais pas mourir. Ouais. Ah ouais, merde, non. Bah, vas-y, on va reprendre les films. Hey, salut. Merci, merci, merci. Comment on fait pour accéder en bas? Vas-y, je suis un ouf, moi. Où ça marchait? Non, allez, vas-y, faut voir. Ouais, c'est pas plus rapide. Est-ce que j'étais là? Oui, j'ai été. Je vais y aller là-dessus. Je vais y aller pour moi, je sais. Bon, on va aller dans le truc. Ok, je suis un petit lapin. Ça a l'air très sinistre. Oula. C'est très sombre. C'est très dark. J'aime. J'aime, j'aime. Franchement. Par contre, on peut pas utiliser des pieds. Mais peut-être c'est avec ça. Oh, un fragment de cœur. Bah écoutez-moi. Je suis vraiment très content. Oh, tu as été transformé en lapin. Ce monde est comme le vrai monde, mais le diable l'a déformé. Le pouvoir d'or nous donne une apparence qui reflète les pensées de notre cœur et de notre esprit. Comme je change tout le temps d'avis, j'ai été transformé en mal. Et si tu as une mal nommée perle de lune, tu peux conserver ta forme originale ici. Faut choper une perle. Ça anime. Et qu'est-ce que je dois faire en fait? Parce que je peux pas me... Est-ce que j'ai trouvé le temple? Ah, tu vois. Celle de... Eh, mais il était pas elle. D'accord, en fait, quand t'es dans le monde dark, t'as des entrées que t'as déjà faites, mais t'as de nouveaux endroits qui apparaissent, c'est pas mal. J'ai déjà été là.
pour cette ellipse. Eh ben mes amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon appétit.